Bonjour mes lions, c'est Nati, j'espère que tout le monde va bien, mes chéris. Alors, là, on va faire du lundi 21 au lundi 28 février, on clôture le mois. Donc, exceptionnellement, ça sera du lundi au lundi. Ok, alors, j'espère que vous allez bien, mes lions et mes belles lionnes. Alors, ici, je tenais à vous remercier pour les personnes que j'ai eues en consultation téléphonique, guidance privée, pardon, et les personnes à qui j'ai effectué des soins. D'accord? Merci pour mes abonnés. J'espère que tout le monde va bien. Et sinon, que ça va s'arranger, mes chéris. Merci pour les personnes qui vont s'abonner. À droite, vous avez la petite cloche qui vous indique quand je poste une ou des nouvelles vidéos. D'où l'intérêt de s'abonner. Merci pour vos pouces en l'air, vos likes, puisque YouTube publie davantage mes vidéos. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci de faire grandir ma chaîne avec moi. Et merci pour les personnes qui ont pensé à partager mes vidéos. Merci beaucoup. Et vos messages d'amour. Merci pour vos commentaires, merci pour vos messages de soutien. Allez mes lions, justement j'ai un lion, il y a la force ici. On reprend du poil de la bête, on reprend de la force ici. On a quoi? On a le soleil, ça me va très bien, c'est magnifique. Il y a de la nouveauté dans l'air, hein. Il y a quelque chose de nouveau. Et puis, il y avait une période de stress où actuellement là, peut-être vous êtes en stress. C'est vrai que cette lune, ça n'a pas été évident. D'ailleurs, dans certaines régions, il y a des temp il y a, ben, on a de la tempête. Donc, il y a, comment dire, déjà avant la lune, ça l'annonçait. Il y avait du vent et effectivement, encore, on a du vent, de la tempête. Hein, on est clair avec ça. Mais ça a joué énormément sur nous tous, hein, d'accord? Mais là, ça va aller, ça va s'arranger. Et on va vers un éclaircissement et on va vers la joie, le bonheur, la réussite ici, hein. Et on a la force et conviction, ça revient. Et ici, on a aussi de l'assurance ici. On va aller beaucoup mieux, d'accord? Il y en a certains, il faut travailler plexus solaire, hein, ici, hein. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Oui, il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose en coulisses, là. Hein. C'est une histoire de temps, hein, mes chéris. En amour aussi, hein. On a la force, on a un couple fort ici. On va se réaliser ici. Il y a des grossesses, naissances. Ensuite, on agrandit la famille. Ici, j'ai nouvel amour. Après, j'ai des inquiétudes en amour. Voilà. Il y a des incertitudes, il y a des doutes, ça ne se passe pas très bien. Il y a du stress, il y a des disputes, hein, ici. Hein. On n'est pas d'accord, il y a des désaccords aussi. Hein. Mais il y a du changement dans l'air. Hein. Il y a de la nouveauté en amour ici. Hein. Pour certains, certaines, vous ne restez pas longtemps célibataire. Hein, d'accord? Ici, j'ai des formations. Sinon, ici, en amour, il y a des petits secrets. Il y a quelque chose de caché. Et sinon, ici, on va rajouter du savoir. Hein. On a un changement de voie ici dans quelques temps. Ou ça vient de se réaliser ou ça va se réaliser ici. Hein. Changement de travail, changement de voie. C'est clair. Il y en a qui veulent se mettre à leur compte, donc ils ont besoin d'en rajouter du savoir, d'accord? Et d'autres, c'est pour un changement de voie, changement de travail, mais changement de voie. Ici. Merci. Ah oui. J'ai des nouveaux projets. Hein. Alors, soit vous les avez démarrés ou pas, d'accord? Et puis, on rajoute du savoir, d'accord? Et il y en a qui sont en formation. Ouais. Comment dire, il y a des blocages, il y a de la lenteur, il y a des freins, voilà. Mais ça va redémarrer, mes chéris, vous inquiétez pas. Parce que je vois, en fait, au niveau des cartes, là, j'aime beaucoup, hein. Vous n'allez pas rester comme ça. On est dans la léthargie, mais vous n'allez pas rester comme ça, d'accord? Oui. On a la force, hein, qui revient. Hein. Ouais. On se pose beaucoup de questions. D'accord? Ouais, c'est fini. Ici, c'est une histoire de quelques jours,
quelques temps, d'accord. Alors après, c'est le temps, hein, on ne peut pas définir, hein, le temps, vous savez, on ne peut pas être précis, précise. Mais c'est une histoire de semaine, quelques jours, une semaine ou deux. Ici, on va aller beaucoup mieux. Hein. Il y a une fin de cycle qui était pénible d'ailleurs. Et puis, il y a de la fatigue, il y a de la nervosité, on est anxieux, anxieuse, mais on a de la fatigue. Ça a été pénible et lourd. Hein. Là, ici, on coupe avec quelque chose qui a été pénible. Et puis sinon, bah, j'ai des. Et puis en dodec, ici, vous vous mettez en marche. Hein. Donc c'est pour ça que c'est très bien. On va continuer. Donc, je vais prendre celle-ci. On va regarder au niveau du sentimental, mes chéris, mes lignes d'amour. Il y a de la rencontre dans l'air. Hein. Il y a de la nouveauté, hein, je vous l'avais dit. Il y a de la rencontre dans l'air. Hein. Il y en a qui vont plus rester célibataires. Hein. Ils vont plus rester longtemps célibataires. Il y a de la rencontre dans l'air. Hein. On va être souple avec soi-même, avec l'autre. On va être flexible pour se voir. Puis on va se faire beau et belle hein, ici. Hein. On est dans la douceur. Hein. Oh oui, ça va être un grand amour. Hein. Et sinon, pour mes couples, ici, on apporte de la douceur, on s'aime ici. Hein. C'est la grande carte de l'amour. Ici, il y a la trahison, double trahison, trahison, manque de sincérité, tromperie, adultère, trahison. Qu'est-ce qu'on a? Ça va se savoir. Il y en a qui viennent de le savoir, d'accord. Là, c'est parti pour durer, hein, mes chéris. C'est une belle âme que vous allez rencontrer. Qu'est-ce qu'on a chez mes lions? C'était pas facile pour vous, mais là, ça y est, hein, on sort de là. Oh là là, c'est beau, magnifique. Vous voyez, c'est deux cœurs aimantés. Hop, ils vont faire plus qu'un. Vous vous êtes trouvés. C'est votre destinée. Ici, j'ai des ruptures, hein, je le vois. Hein. Des ruptures, des séparations. Hein. Ici, il y a l'équilibre, d'accord. On trouve sa moitié. Ouais. Sinon, j'ai des réconciliations. Ici, on se retrouve sur l'oreiller, on se pardonne, on se réconcilie, on se dit des belles choses, on se met d'accord aussi, d'accord? Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Chez mes couples, il y a l'équilibre, il y a l'harmonie, équilibre, d'accord? Il y a peut-être vie commune, hein, si vous ne viviez pas ensemble, ou de l'engagement, ou un projet, quelque chose. Hein. On a envie de changer chez mes couples. Hein. Ouais, on est fragile ici. Ouais, on a été trop bon, trop bonne. Ok. Il y a la séparation. Alors, soit vous êtes séparés et vous pensez à la réconciliation et parce que vous êtes fragile et voilà, hein, c'est comme ça, que voulez-vous, il vous faut du temps. Ou alors, ici, alors ça a cassé, repris et ça va casser ici à nouveau. Vous faites que ça là. Vous vous illusionnez, on vous dit, oh là là, vous vous illusionnez sur cette relation. Vous vous illusionnez sur cette relation. On est en échec total. Hein. C'est pas quelqu'un, on me dit, qui est fait pour vous. Là, ici, vous êtes amoureux, enfin, vous êtes amoureux ou amoureuse de la personne, vous êtes épris surtout de cette personne. Mais en fait, vous vous illusionnez. Hein, cette personne demandait ce que... En fait, vous êtes trop bon. Déjà, vous acceptez trop bon, trop bonne. Vous acceptez beaucoup de choses. Et en fait, parce que vous ne voulez pas rester seul. Hein. Donc, vous acceptez, puis vous vous illusionnez. Vous montez la tête tout seul, en se disant oui, forcément, au final, on va vivre ensemble. Ou alors, forcément, si on vit ensemble, bah, on va rester ensemble, vous voyez. Mais là, il y a tromperie, adultère, l'autre, ou il ou elle a trouvé quelqu'un. Hein. Mais vous allez vous libérer, hein, mes chéris. Vous allez ouvrir les yeux. Hein. Vous allez vous libérer de cette situation. Hein. Vous ne resterez pas comme ça. Hein.
Parce que c'est pas la bonne personne, en fait, d'accord? Il y a de l'engagement dans l'air ici. Hein. Ici, même pour mes couples, ici, on se lance, d'accord, pour de l'engagement. Notre relation, comment dire, elle va croître, elle va... Là, on s'élève à une étape supérieure, vous voyez. Là, on se lance avec confiance. On s'engage hein, ici. Il y a Pax, vie commune, Pax, mariage, fiançailles, mais on s'élève. Mais célibataire, vous ne resterez pas longtemps célibataire. Ici, il y a un regain. Et même pour mes couples. Ici, il y a renaissance, il y a chance, mes chéris. Il y a la douceur, on va être câlin, on va être tendre, doux. Et puis pour mes célibataires, on fait la rencontre de quelqu'un, donc c'est le début, on se cherche, on va se séduire, on va être tendre. C'est le flirt aussi, mes chéris. Hein. Et chez mes amours, oui, vous êtes mes amours. Chez mes couples, on se porte beaucoup d'attention. Ici, on vous dit prudence, hein, mes chéris. Hein. L'harmonie, on est bien, c'est des belles énergies, on est en harmonie, regardez-moi ça. Ici, vous avez vraiment, vraiment concrétisation. Ici, vous allez réparer votre cœur. Hein. Ici, vous allez vous libérer hein, tôt ou tard. Hein. Soyez prudent avec vous-même. Et ici, mes célibataires, pourquoi vous rencontrez quelqu'un? Parce que vous êtes prêt et prête. Et des fois aussi, en fait, si vous voulez, peut-être vous le sentez, c'est ça que je veux dire, vous sentez, hein, parce qu'il y a eu un travail magnifique de fait sur vous-même, et puis, ça y est, on a lâché le passé, on a envie d'avancer, on a envie de changement, d'accord? Et ici, vous, tôt ou tard, c'est pas tout de suite, hein, d'accord? Vous allez vous libérer, parce que vous avez pas envie de rester sale aussi, puis vous êtes sous l'emprise de l'autre, mais un jour, vous allez comprendre, hein. C'est une situation... c'est pas quelqu'un de fiable, c'est pas quelqu'un de fait pour vous. Période rose d'amour, on s'aime et puis joie, bonheur. Et puis ici, on a grandi la famille ou alors grossesse, naissance. Ou alors un nid, emménagement, déménagement, on emménage quelque part ou on se met en couple aussi. Hein, je vous l'avais dit. Hein. Ouais, en plus de ça, la personne elle vous a déclenché cette jalousie. Donc, cette personne, elle s'amuse avec vous et puis vous, vous êtes négligé, oublié. Hein. Fidélité, mes chéris. Vous êtes sous l'emprise, elle s'est retournée. Hein. Vous êtes sous l'emprise. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? Alors. Il y a une belle période ici, j'aime beaucoup. Hein. Alors, million, million, hop. Ici on s'accuse. Hein. Ici, vous vous accusez. Alors, je ne sais pas si vous avez découvert le poteau rose que la personne, elle vous trompe et que vous avez la preuve. Alors, il y en a certains que oui, on me dit, et d'autres qui vont découvrir forcément. Il y a des mots durs, là. Hein. Alors, ici, il y a compromis. D'accord, on va trouver les compromis, on va s'arranger, il y a négociation, conciliation. Il y a des contrats, hein, mes chéris, au niveau de l'emploi, hein, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Il y a la séparation, il y a les accusations, séparation, on s'accuse, on se dispute, on s'accuse, il y a des mots, il y a des injures. Bon, c'est pas très joli. Hein. Il y a beaucoup d'agressivité, je vois. Alors, il y en a qui vont faire appel à moi. On me le dit, de toute façon, ça confirme. Et ici, pour vous avez besoin de clarifier quelque chose, vous avez besoin de savoir. Alors, sinon, au niveau de l'amour, il y a une période d'amour ici, hein. Ah, au niveau de l'amour, oui, vous avez... Bah, il y a grossesse-naissance et il y a un nouveau projet. Il y a un projet d'amour, hein, mais on l'a vu ici. Hein. Il y en a beaucoup, là. Ouais, ça ne va pas du tout, là. Wow.
J'en ai trop. Ici, pour certains, vous arrivez jusque à la séparation, mais même le divorce pour ceux qui sont mariés. Wow. Bon, toujours est-il ici, faut se calmer. On a la victoire. Moi, je vous dis ici, il y a un beau projet. Il y en a certains, j'ai le projet professionnel, mais j'ai des projets en amour aussi, et il y a la victoire ici. On va être victorieux, hein. Il y a la victoire, hein. C'est pas tous les signes qu'ils ont ça. Il y en a qui vont remporter, alors soit une location, ou alors une vente ou un achat d'un bien, d'accord? On va trouver un arrangement. Et j'en ai d'autres. Ici, on a l'étranger, il y a un rapport avec l'étranger, mes chéris, et peut-être qu'on va m'appeler de l'étranger, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup de consultations via l'étranger, en fait, des personnes de l'étranger qui m'appellent énormément. C'est vrai qu'elle est tombée, on verra bien. Toujours est-il ici, il y a l'étranger, vous êtes lié à l'étranger. Il y a quelque chose d'étranger qui vient à vous, quelque chose de nouveau, mais ça provoque la chance. Quelque chose d'étranger provoque la chance. Et sinon, vous avez chance, mais vous aviez déjà chance, vous. Non? C'est vous ou... C'est vous, hein? Oui, elle est là. On a double chance ici. Hein. Ici, il faut se calmer. Si on se fait trop de tort, calmez-vous, s'il vous plaît. Pensez à vous, d'accord? On se calme, s'il vous plaît, parce que en plus, j'entends les mots. C'est fort. Le message que j'ai, c'est que vous n'arriverez rien comme ça. C'est ce qu'on me dit de vous transmettre. D'accord? Alors, revenons à nos moutons. Ici, j'ai un compromis, j'ai un coup de chance. Il y a du changement dans votre vie. Hein. Chance, chance. On va s'élever ici. Hein. Magnifique. Magnifique. Bon, et en tout cas, la force, elle est revenue. Hein. Pour certains, il y avait une fatigue aussi, hein, et de la nervosité. Ça va aller, mes chéris. Alors, écoutez, Nati, elle vous fait de gros bisous. Elle vous envoie de très fortes énergies, très puissantes. Et on enlève tout ce qui est négatif. Et vous, vous calmez, hein, parce que ça n'a rien de s'insulter et puis de se taper dessus. Hein. Alors, Nati, elle vous fait de gros bisous. Je vous souhaite un très, très beau week-end. Pensez à vous reposer. Si vous n'avez pas la tempête, vous pouvez vous divertir et tout ça, mais faites attention pour ceux qu'il y a une tempête chez eux, d'accord? Alors, nous, c'est le cas, alors on va faire attention. Les courses sont déjà faites. Hein. D'ailleurs, il n'y a que des cartons, des débris, là, ça vole de partout. Voilà, je vous embrasse, mes chéris, et à bientôt. Et prenez soin de vous, mes amours. Mouah.